Richard Latendresse est à Washington. Alors, Richard, il y a d'autres primaires aux États-Unis aujourd'hui. Et comme vous nous le disiez la semaine dernière, on sait déjà très bien qui sont les principaux candidats à s'affronter à l'élection. Mais ça vaut quand même la peine de suivre ce qui va se passer. Oui, ça vaut le coup, Sophie, soit parce que ce sont des États influents comme la Floride et l'Ohio, ou encore des États qui pourraient faire la différence le 5 novembre prochain, comme l'Arizona, par exemple. Arizona que Joe Biden a remporté en 2020 par un tiers de un point, Sophie, 10 500 voix à peu près. Alors donc, d'où l'importance d'aller s'y promener. Joe Biden, aujourd'hui, s'est rendu à Reno, dans le Nevada. Il va finir, dans quelques heures, il va se rendre à Las Vegas et finir sa journée à Phoenix, en Arizona. Dans une région où on retrouve de très nombreux anciens combattants, Sophie, il a rappelé cette fameuse histoire que raconte l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, John Kelly, qui racontait comment Donald Trump a refusé de voir un cimetière, d'aller visiter un cimetière d'anciens combattants en banlieue de Paris, en décrivant les soldats américains enterrés là d'une façon bien à lui. Écoutez-le, Joe Biden. All of us in this room have one fundamental difference between us and Trump. I mean it sincerely. We have a different value set. This is a guy who said when he wouldn't go up to visit a cemetery of veterans that they're a bunch of losers and suckers. My son was one of those losers and suckers. Oui, il aime bien rappeler ça. Donald Trump, pendant ce temps-là, qui est allé voter dans son État, la Floride. Voilà. Lui qui, toute sa vie, s'est identifié comme un New-Yorkais maintenant, bien, c'est en Floride qu'il doit aller voter. Il l'a fait à Palm Beach, à la primaire qui s'y tient, encore une fois. Ça n'a pas grand... C'est plus pour la forme dans la mesure où, dès la semaine dernière, il a mis la main sur plus de la moitié des délégués nécessaires pour confirmer la nomination républicaine. A remarqué à ses côtés, Sophie, Mélania Trump, mais oui. Parce que, Sophie, deux des questions que je reçois le plus souvent à contexte, c'est est-ce que Mélania a abandonné son homme et est-ce que Michelle Obama va remplacer Joe Biden? Ben c'est non et non. Alors là, on a la confirmation. Vous voyez, on la voit à côté de son mari. Trump, qui en passant a perdu aujourd'hui, a vu un de ses principaux conseillers, Peter Navarro, prendre le chemin de la prison, 4 mois de prison pour l'homme de 74 ans. Sophie, Peter Navarro avait refusé de répondre de se présenter à une enquête. Il y avait une convocation pour répondre à ce qui s'était passé le 6 janvier 2021. La Cour suprême a rejeté sa demande de rester en liberté pour que le temps que soit entendu son appel. Bon, et Navarro, pas étonnant, Sophie, là, il a dénoncé les maudits démocrates, je le cite, maudits démocrates et les gens qui détestent Trump pour son sort. Bon, et un petit mot, enfin, c'est un grand classique, Richard, hein, toutes ces couleurs magnifiques qui ont envahi... Entre nous, Sophie, on l'a fait tellement de fois. Oui, c'est magnifique. Hein? Ben, moi, j'arrive avec mon appareil photo, attendez-moi. Bien, venez nous rejoindre, je vous attends, Sophie. Vous les voyez, ces cerisiers en fleurs, sur le Mall, ce grand parc là, au cœur de Washington, entre le Capitole et le mémorial à Lincoln. Ces cerisiers en fleurs, c'est un phénomène tellement extraordinaire. Mm. C'est dû aux Japonais, en passant, hein, Sophie, qui ont donné ces arbres-là au peuple américain en 1912. Ouais. Floraison précoce cette année, Sophie. On a eu, comme au Québec, un hiver plus chaud. Alors donc, du coup, on est à peu près 3 semaines à l'avance et ça devrait se poursuivre comme ça à peu près pour encore 2 semaines, un petit peu plus. C'est vrai, c'est en avril d'habitude. Merci pour ces belles images, Richard. À demain. Ça fait plaisir. Au revoir, Sophie.